on peut réaliser un menu entier avec de l'ortie dans chaque plat. On va partir sur des gougères, par exemple, avec des orties hachées dans une pâte à choux avec du fromage. Voilà. Ça, ce sont les petits amuse-bouches. Allez, tiens, ensuite, Félix, on peut passer au potage. Goûtez. Le potage dont on vient de parler. Merci. Ensuite, on peut faire une quiche, bien sûr, une quiche à l'ortie, ça c'est délicieux, on est dans la même catégorie que la gougère. Ensuite, on peut aller vers une purée d'ortie qui va accompagner des viandes blanches, de l'agneau, toutes sortes de viandes peuvent être accompagnées avec une purée d'ortie. J'aime beaucoup faire de la sauce également avec mes poissons, des coquilles Saint-Jacques aux orties, les asperges qui commencent en ce moment. Alors là, un accord superbe. Les escargots qui aiment bien les orties dans la nature, merci, mais qui les aiment bien dans l'assiette. Macaron à l'ortie, ça c'est ma dernière sortie. Ah, le macaron sortie, à l'ortie. Faut goûter ça.